Le capitaine Haddock, Tintin et Milou apprennent que le professeur Tournesol les attend de toute urgence en Sildavie, pays d'Europe centrale. Sans connaître les raisons de cette invitation, nos amis s'envolent aussitôt. Après de multiples contrôles policiers et une surveillance incessante, ils arrivent enfin au centre atomique de Zbrodji. C'est le professeur Frank Wolf, adjoint de Tournesol, qui les reçoit. Frank Wolf, messieurs, soyez les bienvenus. Professeur ! Enchanté. Mais dites-moi, j'aimerais bien savoir quels sont les gangsters qui nous ont suivis depuis l'aéroport. Des gangsters ? Mais ce sont les hommes de la Zeppo. La quoi ? La Zeppo ? Qu'est-ce que c'est que cet animal-là ? Vous l'apprendrez, capitaine. Le professeur Tournesol vous expliquera tout cela. Enfin, reconnaissez, capitaine, que ces messieurs avaient bien fait les choses. Oui, oui. Ils avaient mis à notre disposition une voiture et un chauffeur. Oui, 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 bon, ça va, ça va. Enfin, et en cours de route, on nous a même offert une bouteille d'eau minérale. Venez, messieurs, c'est par ici. Oh, mes amis, que je suis content de vous revoir. Professeur Tournesol ! Ah, ce brave Tournesol ! Quelle joie pour moi ! Mais attendez que je sorte mon cornet acoustique. Ah, le voilà. Mais dites-moi, professeur, pourquoi ne pas vous faire poser un appareil miniaturisé? Ah, je vois ce que vous voulez dire. Mais ces appareils, c'est pour les sous. Ah, ça. Moi, je suis seulement un peu dur d'oreille. Oui, enfin. Sacré Tournesol, va. Mes amis, je vais vous montrer quelque chose. Ah. Venez à cette fenêtre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une partie seulement des installations du centre de recherche atomique de Zbrodji. Quoi? Un centre atomique dans ce pays de buveurs d'eau? Je vais vous expliquer. Asseyez-vous. Je vais vous servir un petit porto. Oh, du porto? Il y a 4 ans, ici, dans ce massif montagneux des 1000 pattes, on a découvert de riches gisements d'uranium. Et le gouvernement Zildave a entrepris la construction de ce centre. Puis, il a fait appel à des savants de différents pays, spécialistes en physique nucléaire. Ouais, bah vous savez, le nucléaire, moi... Hein... Attention! Les recherches sont exclusivement orientées dans un sens humanitaire. Pour question de fabriquer des bombes. Et à moi, on a confié la direction de la section astronautique. Hein? Or, savez-vous ce que je suis en train de faire? Non, non, mais dites vite, professeur. Je termine les plans d'une fusée à propulsion nucléaire pour aller sur la Lune. Sur la Lune? Parfaitement. Oh, ça c'est la meilleure. Sur la Lune, alors que vous êtes si souvent dans la Lune. Oh, sacré vieux farce, Lorvin. Allez, tiens, à ta santé. Bon, allez, messieurs les passagers, pour la Lune, en voiture. Enfin, je voulais dire, en fusée. Car vous prendrez bien des passagers, naturellement. Hein? Naturellement. Eh ben voilà. Pourquoi croyez-vous que je vous ai demandé de me rejoindre ici? Hein? Moi? Qu'est-ce que vous dites? Moi, sur la Lune? Mais, capitaine... Mais enfin, professeur, ma parole, mais vous travaillez de l'électron. Jamais, vous entendez? Jamais. Je ne mettrai le pied dans votre satanée fusée de tonnerre de Brest. Oh, merci, capitaine. Hein? Je savais que je pouvais compter sur vous. Quoi? Moi? Moi? Je... Non, mais pas du tout, hein. Ah, voilà, monsieur Baxter, notre directeur. Messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Baxter, je vous présente ce cher capitaine Haddock. Chanté. Qui accepte avec enthousiasme, hein? Ainsi que notre cher Tintin, de s'embarquer avec moi pour la Lune. Ah, non, moi, je... Bravo, capitaine, et toutes mes félicitations. C'est-à-dire que... Non, ne vous défendez pas, je vous félicite et je vous envie. Ah, vous aussi, mon cher Tintin, un grand bravo. Merci, monsieur. Merci à vous deux, c'est une tentative périlleuse, mais combien exaltante. Sur la Lune. Oh, mon Dieu. Et maintenant, le professeur Wolf va vous faire visiter l'usine. Non, ne vous formalisez pas quand vous subirez les contrôles de surveillance, mais vous vous en doutez, nous devons prendre des précautions contre l'espionnage, le sabotage. Bon gré mal gré, nos amis vont enfiler une combinaison étanche, Milou en ayant une à ses mesures. Nous les retrouvons quelques instants plus tard avec le professeur Wolf dans le hall gigantesque de l'usine atomique de Zbrodji. Et voici la pile atomique constituée par d'énormes blocs de graphite dans lesquels courent des tubes d'aluminium. Au-dessus de nous, voyez, ce sont des barres de cadmium protégées par une épaisse carapace de béton. Les grosses canalisations jaunes et vertes là-haut amènent l'eau nécessaire au refroidissement de l'appareil. Inouï! Formidable! Mais revenons à la pile. En ce moment, on y introduit une barre d'uranium contenant environ 99% d'uranium-238 et 1% d'uranium-235 radioactif. Que va-t-il se passer quand la barre d'uranium sera dans la pile? Le professeur Wolf explique à nos amis le mystère de l'uranium, des neutrons, du plutonium, des atomes, de leurs mouvements et de leurs réactions, quand, soudain... Allô, l'ingénieur Frank Wolf est prié de se mettre en rapport de toute urgence avec le professeur Tournesol. Je répète, l'ingénieur Frank Wolf est prié de se mettre en rapport de toute urgence avec le professeur Tournesol.
Que se passe-t-il? Il a dû arriver quelque chose de grave. Venez vite. Oh, mes amis, quelle catastrophe! Les plans de la fusée d'essai ont disparu. Hein? Quoi? Je les avais mis dans ce coffre, et voilà ce que j'ai retrouvé de vieux journaux. Tonnerre de Brest! Enfin, vous êtes certain d'avoir déposé les plans là-dedans? Évidemment. Comme c'est bizarre. 2 années de travail disparues, envolées. Enfin, mais qu'est-ce qui vous prend, Tintin? Vous faites les poubelles, maintenant? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Excusez-moi, professeur, mais je viens de trouver ça dans la corbeille à papier. Et ça ressemblerait bien à des plans. Saperlipopette! Ce sont mes plans! J'ai dû avoir un moment de distraction, et j'ai jeté les plans, tandis que j'enfermais les vieux journaux. Sacré vieux Trifon, va! Quelle chance de les avoir retrouvés! Car ce sont les plans de la fusée expérimentale dont on achève la mise au point. Je vais d'ailleurs vous la montrer. Nous l'avons baptisée XFLR6. Bientôt, elle partira vers la Lune et nous reviendra après avoir enregistré les renseignements indispensables pour le vol de celle qui nous emportera. Oh, c'est vrai, j'avais complètement oublié. La Lune, vous le savez, tourne autour de la Terre en lui présentant toujours la même face. Oui, tout le monde sait ça. Le derrière de la Lune, si je puis me permettre, nous est totalement inconnu. Mais la fusée du professeur Tournesol, qui sera radioguidée, fera le tour de notre satellite et prendra des photographies de sa face invisible. En outre, les appareils installés à bord apporteront de précieuses indications pour le voyage extraordinaire de nos amis. Tout s'annonce donc très bien, mais une nuit, au centre atomique. Allô, allô, ici centrale. Un appareil venant du sud survole la zone interdite. Ordre à la chasse et à la DCA de se tenir prêt pour une intervention immédiate. État d'alerte immédiat. Un appareil venant du sud survole la zone interdite. Vous êtes dans zone interdite. Ici poste de radar, attention, attention, 3 parachutistes viennent de sauter au-dessus de la zone interdite. Je répète, 3 parachutistes viennent de sauter au-dessus de la zone interdite. Les choses se gâtent au centre de Sprodgy. Quels sont ces parachutistes? Quelle est leur mission? À qui obéissent-ils? Et pourquoi l'appareil inconnu n'a-t-il pas répondu au message du central? C'est grave, très grave. Et le docteur Baxter, dès le lendemain, convoque les principaux responsables du programme lunaire. Messieurs, de graves événements se sont produits cette nuit, vous le savez. En dépit de la chasse et de la DCA, 3 parachutistes ont été lâchés. L'un d'eux, dont le parachute s'était mis en torche, s'est tué. Les 2 autres ont jusqu'à maintenant échappé à nos recherches. Lâchez-moi! Génergie, proteste, mère! Je proteste énergiquement! Hein, et Dupont, Dupont! Bon, silence! Et d'abord, que signifie cet accoutrement? Mais c'est le costume de votre pays! Ça, le costume national, s'il vous plaisantez! Plaisantez? Nous! Jamais! Jamais dans le service! Mais ce que vous portez, c'est un costume grec! Grec! Je t'avais bien dit que le costume n'y avait pas l'air très au courant! Grec, mais c'est sans importance. Ce que je veux savoir, c'est dans quel but on vous a parachuté. Nous parachutés? Nous n'avons jamais été parachutés. Bah vous en avez une allure, les Dupont Brothers. Sont belles, les Dupont, avec vos petites jupettes plissées blanches, votre bonnet à glands et vos chaussures à pompons. Ah bah c'est bon, ça tient. Mais voyons, qu'est-ce que... Vous... Attendez, monsieur Baxter, je crois qu'il doit y avoir une erreur. Tintin! Oui, monsieur Baxter, je connais très bien ces messieurs. Ce ne sont pas des espions, mais des policiers de mon pays. Des policiers? Parfaitement. Et en mission spéciale, nous devions veiller sur nos compatriotes ici présents. Hein, Dupont? Affirmatif, ici présent. Oui, je me porte garant de ces messieurs. Bon, bien. Allô? Ici Baxter. Les 2 hommes que vous avez arrêtés ne sont pas les parachutistes. Alors continuez vos recherches. Ah, merci, monsieur Baxter. Dis merci, Dupont. Merci, monsieur Baxter. Tintin et Milou, au cours de la nuit suivante, vont faire un tour dans la montagne sous laquelle une partie de l'usine est construite. Ils y font une bien mauvaise rencontre. Un inconnu à qui une main passait des papiers par la grille d'une bouche d'aération. Surpris par Tintin, l'inconnu a tiré et notre ami se retrouve dans un lit avec une blessure à la tête. Blessure sans gravité et qui n'empêchera pas notre jeune reporter d'avoir une idée à propos de la fusée expérimentale et rapidement rétabli. Il peut assister au lancement de la XFLR-6. Monsieur Baxter, nous sommes prêts. Dans quelques instants, messieurs, la XFLR-6 va prendre son vol. Je propose que nous laissions aux plus jeunes d'entre nous, à Tintin, l'honneur de donner le départ. D'accord.
Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. À merveille, mais elle a plus de 380 000 km à franchir et autant pour revenir. Cependant, le temps passe. Observatoire à station de contrôle, la XFLR6 commence à tourner autour de la Lune. Je répète, la XFLR6 commence à tourner autour de la Lune. Fusée masquée par la Lune, dans quelques instants nous entrerons en action. Et oui! Voilà le message que je viens de capter, mais malheureusement, nos amis ne l'ont pas entendu. Observatoire à station de contrôle, la fusée vient de réapparaître. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Station de contrôle, m'entendez-vous? Station de contrôle! Allô, station de contrôle! Je vous entends, je ne suis pas sourd! Attention! La fusée s'éloigne de la trajectoire prévue! Allô, monsieur Baxter! Allô, correction, 7, 8, 5, 2... Ça perd l'hypopète. Et voilà, le fruit est mûr. Il ne nous reste plus qu'à le cueillir. Beau travail. Qu'allez-vous faire, professeur? Ce bouton, c'est celui de... Parfaitement, monsieur Baxter. Mais vous êtes fou. Non, je ne suis pas fou. Mais je ne veux pas que notre fusée avec tous ses secrets tombe aux mains d'une puissance étrangère. Qu'est-il arrivé? Notre fusée a été interceptée par un poste de radioguidage plus puissant que le nôtre. Si nous n'intervenons pas... Dieu sait quel forban vont s'emparer de la XFLR6. Alors? Alors c'est très simple, et vous l'avez compris, il faut la faire exploser. Hein? C'est pas ça, enfin, Trifon, ta fusée, voyons enfin! Observatoire à station de contrôle, la fusée a échappé à notre radioguidage. La fusée... Ta vieille fusée, station de contrôle, observatoire. Je vous écoute. La XFLR6 a été captée par un poste de radioguidage étranger. Nous allons la faire sauter. D'accord, monsieur Baxter. Enfin, d'accord. Enfin, Trifon, mon ami. Il le faut. Trifon, écoute. Attention. 1, 2, 3. Observatoire à station de contrôle. La XFLR6 a fait explosion. Plus rien à observer. Monsieur Baxter, c'était une décision nécessaire. Elle a pu être prise grâce à Tintin. Comment ça? Eh bien, après ma promenade dans la montagne et l'attentat dont j'ai été victime, je me suis dit que des documents avaient été remis aux espions. Rappelez-vous la bouche d'aération. J'ai fait part de mes inquiétudes au professeur Tournesol. Et il a aussitôt imaginé un dispositif permettant de faire sauter la XFLR6 dans le cas où elle serait interceptée. Des mois, des années de recherche et d'efforts, tout cela anéanti en un instant. Mais non, professeur, tout n'est pas perdu. Oui ou non, la fusée est-elle allée jusqu'à la Lune? Oui ou non, en a-t-elle fait le tour? Tintin a raison, l'essai a été concluant. Dès demain, nous allons nous remettre au travail pour construire la véritable fusée, celle qui vous emportera vers la Lune. Vers la Lune, professeur! Oui, vers la Lune! Vous avez raison! Hourra! Et nous travaillerons, jour et nuit. Le professeur, qui a retrouvé son tonus, reprend ses travaux. Tout est mené, tambour battant. Les scaphandres spéciaux sont terminés, essayés, testés. Tous les essais sont concluants. Allô? Allô? Oui? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Oui, je viens de recevoir un message de notre nouvel agent. Le départ aura lieu le 3 à 1h34. Oui, mais vous êtes toujours décidé, colonel Jorgen? Plus que jamais. Vous ignorez peut-être, mon vieux, que j'ai un vieux compte à régler avec ce petit Tintin. Oui, je sais. Au revoir, colonel. Au revoir. À mon humble avis, nos amis ne sont pas au bout de leur peine. Mais à Zbrodji, le jour J est arrivé. Je devrais plutôt dire, d'ailleurs, la nuit, celle du grand départ. Dernières instructions à nos amis, ultime vérification du matériel, et nous retrouvons le capitaine Haddock. Il se dirige vers l'énorme fusée. Deux hommes le suivent, porteurs d'une caisse assez volumineuse. Dites-moi, capitaine. Oui? Qu'y a-t-il dans cette caisse? Eh bien, des affaires personnelles pour notre voyage, et puis... des broutilles, quoi, deux ou trois bouteilles de whisky, et puis... puis un peu de tabac pour ma pipe. Ah, désolé, capitaine, mais les instructions sont formelles. Défense de fumer à bord et interdiction d'emporter des boissons alcoolisées.
Ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Eh bien, dans ces conditions, vous m'entendez bien, dans ces conditions, pas question de m'embarquer dans votre espèce de cigare volant. Oh oui, 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 c'est fini. Vous m'entendez, j'en ai... Non, non, cette fois, j'en ai vraiment assez. Alors, allez sur la Lune, sur Mars, sur Jupiter, où vous voudrez. Moi, c'est terminé. Je ne pars pas. Vous connaissez le capitaine Haddock, très soupe au lait, mais brave homme. Après bien des hésitations, il avait décidé de partir. Et le connaissant comme je le connais, je peux vous dire ceci. Haddock partira. La preuve, à la date prévue, à 1h34 moins 2, nos amis sont installés dans la fusée. Derniers essais de communication radio, dernière inspection du professeur Tournesol. Dans la salle de contrôle, tous les techniciens sont à leur poste. On a confiance, mais on est quand même anxieux. Dans la fusée, les passagers sont allongés sur leur couchette spéciale et le moment tellement attendu arrive. Attention, mes amis, nous allons partir. À la grâce de Dieu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allons, allons, ici la Terre. Allô, fusée lunaire. Fusée lunaire, répondez. Allô, allô, ici la Terre. Ici la Terre. J'appelle fusée lunaire. Fusée lunaire, répondez. Répondez. Observatoire à station de contrôle. Observatoire à station de contrôle. La fusée est à 1500 km d'altitude. Avez-vous le contact? Non, la fusée ne répond pas. Allô, ici la Terre. J'appelle fusée lunaire. Entendez-vous, fusée lunaire? Allô, ici la Terre. Ici la Terre. Allô, fusée lunaire, répondez. Allô, allô, ici la Terre. Fusée lunaire. Mon Dieu, si nous avions fait une erreur dans nos calculs, ce serait épouvantable. Venez, 5 pour nous aider, tous morts là-haut. Aux appels angoissés de la Terre, seul un silence sidéral répond. Et cela se prolonge. Se prolonge. Mais je n'ai pas perdu la tête. Dieu soit loué. Allô? Oh, allô? Mon chien. Ici la Terre. Que nous est-il arrivé? Allô? Ah oui. Allô? Le départ et cette atroce sensation d'écrasement. Allô? Allô? Ici la Terre, fusée lunaire, répondez. Allô? Répondez. Allô? Oui. Ici, fusée lunaire. C'est Tata qui vous parle. Je viens de reprendre connaissance. Mes compagnons sortent également de leur évanouissement. Allô, ici la Terre. Vous êtes à 4000 km de la Terre actuellement. Votre course est conforme au calcul. 4000 km déjà? Ça perd l'hippopète. Oh, j'ai bien dormi. Ah, bah moi aussi, Truffaut. Enfin, tout ça n'est que blague, fumisterie, compagnie, hein? Mille sabeurs. Vous n'allez pas me faire quoi? Nous sommes en route vers la Lune, quand même. Ah, vous êtes sceptique, capitaine. Ouais. Eh bien, venez voir là-haut. Regardez, la trappe. Ah, elle se soulève. Ça perd l'hippopète. Messieurs Dupont et Dupont. Oh, mais vous êtes tous là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un tremblement de terre? Mais d'où sortez-vous? On sort de la cale. Nous avions décidé de surveiller la fusée avant son départ. Il est toujours fixé à 1h34, ce départ. Malheureux, il y a une demi-heure que la fusée a quitté la Terre. Mais elle est bien bonne, hein? Toujours le mot pourri, ce cher professeur. Je dirais même plus. Allô, allô, ici fusée lunaire. J'appelle la Terre. Information sensationnelle. Les deux Dupont sont à bord. Ici la Terre, vous êtes à 8000 km de la Terre. Votre vitesse est de 11 km seconde. Votre message est bien... Nous pensions que le départ aurait lieu à 13h34. Et non à 1h34 du matin, ouais. Professeur, ceci est grave. Eh oui. Nos réserves d'oxygène étaient prévues pour 4 personnes et un petit chien. Oh là 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 là. Mais vous entendez? Bande de brontosaures! Allons, capitaine, ne les accablez pas! Vous en avez bonne, vous, vous en avez bonne! Bon, je ne sais pas ce qui m'ont retient de les balancer par-dessus bord. Mes amis, je vais reprendre moi-même le pilotage. Nous vous suivons, professeur. Oui, mais ben, moi je reste encore un peu ici. Je vous rejoindrai dans un instant. Venez vite, venez! Regardez par ce hublot. Oh, fantastique! Admirant! Prodigieux! Oui, notre bonne vieille Terre vue à plus de 10 000 km. Ici la
Terre, vous venez d'atteindre la vitesse de 13 km secondes, vous n'êtes donc plus soumis à l'attraction terrestre. Le capitaine Haddock, en restant à l'étage inférieur, avait une idée de derrière la tête. Un coup d'œil indiscret vers l'étage inférieur, tiens, tiens. Le capitaine va ouvrir un gros livre, un traité d'astronomie. Curieux, cela. Il pose l'ouvrage sur une table et l'ouvre. Oh, stupeur! Ce livre, en réalité, est un coffret qui contient deux bouteilles de whisky. Si, si, je vous assure. Le capitaine se saisit avidement d'une bouteille et... Mais pour ma part, je ne veux pas voir ça. Hey, excusez-moi. Au travail! Au travail. Entamons le premier chapitre. Oh. Ah ben, je vais vous dire, je me sens déjà plus instruit. Haddock, mon cher Haddock, en avant pour le deuxième chapitre. Dans le poste de pilotage des Dupont, on fait un autre genre de sottise. Involontairement, ils ont coupé le moteur atomique qui, par l'accélération, créait une sorte de pesanteur artificielle. Résultat, nos amis se sont mis à flotter dans la cabine. Cela, je dois le dire, n'a pas été sans quelques bosses et bobos. Haddock, lui, faisait le petit oiseau à l'étage inférieur. Heureusement, le moteur a été promptement remis en marche par le professeur Tournesol. Sur son ordre, tout le monde a chaussé des souliers à semelles magnétiques en cas... Mais une autre menace s'annonce. Oh. Mais je ne rêve pas. Oh. Mais oui, c'est Adonis. Mais qui est-ce Adonis? C'est un de vos amis capitaine Région. L'astéroïde Adonis est un fragment d'ancienne planète. C'est une masse rocheuse de 700 mètres de diamètre environ. J'espère qu'elle ne se trouvera pas sur notre trajectoire. Sinon, nous serions totalement pulvérisés. Comment? Pulvérisés? Pulvérisés? Venez voir. Mais de grâce, ne touchez plus à rien. Oui, entendu, professeur, on ne touche à rien. Ah. Pendant ce temps, je mettrai mes chaussures magnétiques. Et moi, je vais porter les siennes au capitaine. Allô, allô, ici la fusée lunaire. La porte extérieure vient de s'ouvrir, coupant automatiquement le moteur atomique. Professeur, professeur! Qu'avez-vous, Tintin? Je n'ai pas vu le capitaine en bas. Par contre, j'ai trouvé ce mot. J'en ai plein le dos de votre maudite fusée. Je rentre à Moulinsart, signé Haddock. Saperlipopette, il est devenu fou. Fou? Je ne crois pas. Mais un peu imbibé de whisky, peut-être. De toute façon, il faut aller le chercher. Je vais mettre mon scaphandre et sortir à mon tour. D'accord. J'espère que ce pauvre capitaine ne va pas être transformé en satellite d'Adonis. Je me doutais bien que cette lecture du traité d'astronomie aurait de fâcheuses conséquences. Pour l'instant, le capitaine Haddock flotte dans son scaphandre à quelques distances de la fusée. Mais Tintin va réussir à le sauver en se fâchant, car Haddock ne veut rien entendre. Enfin... Tout rentre dans l'ordre et nos deux amis dans la fusée. Où une autre surprise les attend. Enfin, regardez ces énormes chenilles jaunes qui descendent le long de l'échelle. Mais ce sont des cheveux, capitaine. Hein? Allons voir ça de plus près. Les policiers. Oui. Hein? Mais ces barbes. Je comprends tout. Rappelez-vous, il y a quelques années en Arabie, ouais, ils avaient avalé ce curieux comprimé et leur système pineux s'était considérablement développé. Mille sabots. Ils font des bulles vertes. Ça doit être une rechute. Oh, le fait sans doute des phénomènes auxquels nous avons été soumis. Mais je leur ai administré l'antidote que j'avais inventé à la suite de la première crise. Faut toujours qu'ils se fassent remarquer, ces espèces d'emplâtres. Oh, mes pauvres amis, j'espère que vous ne souffrez pas trop. Heureusement, non. Oh, ben, je dirais même plus. Oui, oui, non, non, aïe. Mon Dieu. Mais c'est Milou qui s'est accroché à leur barbe à l'étage en dessous. Milou, assez. On lâche ça tout de suite. Allô, allô, ici la Terre. Attention, votre vitesse est de 45 km secondes. Dans une vingtaine de minutes, il vous faudra effectuer la manœuvre de retournement. Compris. Nous attendons vos instructions. Très bien, tout à l'heure. Et pendant ce temps, les barbes duponesques continuent à pousser. En ce moment, elles doivent bien mesurer 3 mètres de longueur. Haddock les coupe, les cisaille, les tranche, mais elles repoussent obstinément, changeant seulement de couleur. Rouge, verte, bleu, violette. Plus précisément, parme. Mes amis, je vous annonce une bonne nouvelle.
La météorite s'est éloignée. Le danger est passé. Ah bah bon, moi, je vous signale que les deux clowns continuent à faire des bulles. Maintenant, mes amis, je dois vous rappeler en quoi consiste la manœuvre de retournement. De retournement? Tintin, Dupont! Dupont! Nous retournons sur Terre! Oh hein? Nous allons d'abord arrêter le propulseur principal et mettre en marche le réacteur latéral. Une fois la fusée retournée, le jet de notre moteur atomique sera dirigé vers la Lune et freinera notre descente. Ah. Vous saisissez? Attendez. Ah bah oui. En somme, c'est la même chose que pour le départ. Sauf que c'est exactement le contraire. Allô, ici la Terre, attention, plus que 2 minutes avant l'arrêt du propulseur. Messieurs, préparez-vous. Et vous, capitaine, si vous ne voulez pas recommencer à volter dans la cabine, mettez vos souliers à semelle magnétique. Oh, sapristi! C'est vrai! Je les ai oubliés en bas! Oh, capitaine! Ah bah, écoutez! Ici la Terre, attention, préparez-vous à mettre en marche le réacteur latéral. 10 secondes. 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. La manœuvre se poursuit dans les meilleures conditions. Et après le retournement de la fusée, le réacteur latéral est stoppé, le propulseur principal réenclenché. Allô, ici la Terre, vous êtes à 240 000 km de votre point de départ. Il vous reste à parcourir 136 800 km. Votre vitesse diminue progressivement. Allez-y, mes amis. Réunissez le mieux possible. Vous croyez qu'ils arriveront sur la Lune, patron? J'y compte bien. Quant à savoir s'ils en reviendront, c'est une autre histoire. Mes amis, dans une demi-heure, notre fusée se posera sur la Lune à l'endroit que j'ai choisi, le cirque Hipparc. Oh, le cirque du parc! Oh, bah, il y a bien longtemps qu'on n'a pas été au cirque, hein, Dupont? Bah, même plus. Mais j'ignorais qu'il y avait un cirque sur la Lune. Oh, capitaine, vous saviez qu'il y avait un cirque sur la Lune? Bah, naturellement qu'il y a un cirque sur la Lune. J'ai même appris qu'ils avaient besoin de deux clowns. Alors, je crois que vous ferez parfaitement l'affaire. On appelle cirque lunaire les plaines circulaires entourées de montagnes. Le circuit parc atteint 156 km de diamètre. Dis donc, Dupont! Oui, Dupont. À l'instant, cet individu-là, il nous a insultés. Moi? Monsieur! Vous avez déclaré que nous pourrions être engagés comme clowns au cirque du parc. Ah, attention, hein? Je suis témoin. Cirque du parc, deux clowns. Nous exigeons des excuses. D'accord. Bon, le cirque qui parc n'a pas besoin de deux clowns. Vous ne pouvez donc pas faire l'affaire. Voilà! Vous êtes satisfait? Le cirque du parc n'a pas besoin de clowns. Donc, nous ne pouvons pas faire l'affaire, c'est clair? Absolument. Voyons, deux clowns, cirque. Alors, attention, récapitulons. Du calme. Pas de discorde entre les premiers hommes qui vont débarquer sur la Lune. Allongez-vous plutôt sur vos couchettes. Vous, messieurs Dupont, vous prendrez les matelas de réserve. Je vais m'occuper avec Wolf des derniers préparatifs de l'alunissage. Tout le monde est allongé sur les couchettes. Ah, j'oubliais, les cheveux des Dupont ne poussent plus que normalement. Actuellement, leurs cheveux verts s'arrêtent sur les épaules, genre hippie. Coiffés de leur éternel melon, c'est du plus bel effet. Quant à Tintin, il a été chargé par Tournesol de commenter l'approche vers la Lune. Alors, Walter, où en sont-ils? Ils approchent, monsieur le directeur. Allô? Ici, fusée lunaire. De légères vibrations font trembler la fusée. Nos tempes bourdonnent. Notre respiration devient difficile. Nous sommes écrasés sur nos couchettes. Le professeur évanouit. J'ai l'impression que mon crâne va éclater. Mon cœur! Plus rien. C'est fini. Tintin a dû s'évanouir à son tour. Appelez-les, Walter, appelez. Allô? Ici la Terre. J'appelle fusée lunaire. Allô, répondez. Répondez, fusée lunaire. Ici la Terre. Et les minutes allô, passent. Fusée lunaire. Lent. Allô. Angoissant. Sur Terre, on redoute le pire. Quand tout à coup, un grésillement sort du haut-parleur de la salle de contrôle. Victoire! Victoire! Ils sont vivants! Ici Tournesol qui vous parle de la Lune. Nous sommes sains et saufs. L'alunissage était parfaitement réussi. Le professeur Wolf, le capitaine Haddock et Tintin sont en train de s'équiper pour sortir de la fusée. Mais c'est Tintin qui a été désigné pour être le premier homme à fouler le sol de la Lune. À tout à l'heure. Moment unique dans l'histoire de l'humanité. Instant grandiose. Triomphe de la technique pacifique. Mais
Mais l'émotion, à vrai dire, m'empêche de poursuivre. Je vous laisse avec nos amis. La porte de la fusée a été ouverte. Je suis en haut de l'échelle extérieure. Et je regarde. Je regarde. Spectacle hallucinant. Paysage de cauchemar. Pas un arbre. Pas une fleur. Pas un oiseau. Aucun bruit. Aucun nuage. Dans le ciel noir, des milliers d'étoiles. Attendez, je descends à présent les échelons qui courent le long de la fusée. Plus que quelques échelons. Trois. Deux. Plus qu'un seul. Ça y est! Je viens de poser le pied sur la Lune! Pour la première fois, on a marché sur la Lune! Oui, mes amis, ça y est! Et c'est Tintin qui a eu l'honneur de faire ce geste exaltant, poser le pied sur la Lune. Mais Haddock, Tournesol, Wolf et Milou l'ont rejoint, chacun revêtu de son scaphandre spécial. Lors de la descente du matériel, un câble s'est rompu et le professeur Tournesol a failli être écrasé par une caisse. Sans la présence d'esprit de Tintin qui l'a poussé au dernier moment... Bizarre, j'y pense, cette usure du câble. Mes amis, il faut maintenant rentrer à bord. Ce premier contact avec notre satellite est suffisant. Et puis, il va falloir commencer le montage du char lunaire afin d'explorer les environs et de commencer nos observations. Oh, regardez là-bas! Les Dupont, ils sautent comme des cabris! Allô? Les Bachibouzouks? Revenez! Et plus vite que ça, Minsabeur! Déjà? Oh, c'est dommage! On allait danser un petit ballet! Oh, parfaitement, un petit ballet! Rentrez tout de suite! Bien, Minsabeur! Ouais, oh, hé! Hey, inutile vous fâcher, hein? Nous rentrons! Oh! D'ailleurs, oh. J'ai l'impression que vos radios ne fonctionnent pas très bien. Ça grésille. Aussitôt à bord, les passagers de l'espace entreprennent le montage du char lunaire, sorte de blindé, très sophistiqué, et bientôt l'exploration proprement dite commence. Cette exploration est l'étude du sol, des rayons cosmiques, des radiations solaires, et j'en passe. Nos amis explorent aussi les grottes, les cavernes, les gouffres. Au cours d'une sortie, le char manque de tomber dans une crevasse. Pendant ses excursions scientifiques, Milou, revêtu de son petit scaphandre, suit son maître, bien entendu, et les sorties se multiplient. Quelques jours plus tard, une sortie s'est faite sans Tintin. En effet, celui-ci est resté à bord avec Milou pour faire de menues réparations. Cela n'empêche pas la collecte d'observations précieuses. Et quelque part, en cils d'avis, à l'écoute d'un récepteur, quelqu'un jubile. Excellent tout cela. Vos découvertes sont d'un prodigieux intérêt pour nous. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez? Je répare la radio. Mais c'est bien ce que je pensais. Il y a mauvais contact. Pas de problème. C'est l'heure du repas. Je descends à la cale chercher de quoi préparer le déjeuner. Voulez-vous que j'y aille, monsieur Wolf? Non, ne vous dérangez pas, non, j'irai moi-même. Étrange comme Wolf a changé. Au début, à l'usine d'Esbrochdi, il était souriant, ouvert. À présent, ce n'est plus le même homme. Qu'est-ce qui a bien pu le transformer ainsi? Curieux tout de même. Wolf est allé au ravitaillement dans la cale. Mais Tintin a raison. Le comportement de ce petit homme chauve a changé. Peut-être une séquelle du malaise qu'il a pris à sa sortie de la fusée. Oui. Après tout, peut-être. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Parfait. Oh, zut. Qu'y a-t-il? Rien de grave, j'ai oublié d'huile condensée. Je vais redescendre dans la cale. Pas question. Cette fois, c'est moi qui irai. Je vous remercie. C'est gentil de votre part. C'est bien normal. Vous verrez, les caisses se trouvent là devant vous en entrant. Entendu. Mon Dieu, trop tard pour faire marche arrière. Oh, il doit être arrivé en bas, il va entrer dans la cale. Mon Dieu, je n'aurais jamais dû. Ah, tiens, ça doit être par là. Mais... Oh, tu ne t'attendais pas à ce que le colonel Jorgen vienne te chercher jusque sur la Lune. Quand tu te réveilleras, tu te souviendras sans doute du sceptre d'Otakar. Wolf! Hé, hey, Wolf! C'est fait! Tu peux descendre! Mon Dieu, mais vous ne l'avez tout de même pas trop! Non, rassure-toi, je l'ai simplement endormi. Ah, bon. Maintenant, mon petit Wolf, en route pour la Terre. Comment? Que voulez-vous dire? Mais sans attendre les autres? Bien sûr! Dis-moi, dans combien de temps la fusée pourra-t-elle repartir? Mais nous ne pouvons pas faire ça! Les abandonner sur la Lune, c'est les condamner à une mort atroce! Ah, tata, pas de grand sentiment! Nous partons, un point c'est tout! Eh bien non, je refuse! Je ne me ferai pas complice d'un tel forfait! Wolf! Suppose que nous attendions les autres et que nous repartions avec eux. C'est toi qui fourniras de l'oxygène pour tout le monde? Les réserves étaient prévues pour 4 passagers, pas pour 7.
Allez, viens. Nous allons préparer le départ. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quelle histoire! Bon sang, le cabot! Je suis approché au bord de la trappe. Passe-moi la matraque qui a endormi son maître. Oh, toi! Allô, allô, Tintin, Tintin, allô, la fusée. Ici le char lunaire, ici Tournesol. Répondez. J'ai entendu des bruits, les hurlements de Milou. Que se passe-t-il? Allô, j'appelle fusée. Répondez. Répondez. Que s'est-il passé? Allô, nous revenons immédiatement. Ici le char lunaire. Nous arrivons. Ah, je voudrais voir leur tête quand ils s'apercevront que la fusée a disparu. Et colonel, rappelez-vous le dernier message de Tournesol, le char lunaire revient. C'est vrai, sacrebleu. Et les réacteurs doivent chauffer pendant au moins une demi-heure. Ils n'auraient pas pu y penser plus tôt, imbécile. Allô, allô, ici char lunaire. J'appelle la fusée. Répondez, ici le char. Nous approchons. Fusée en vue. Alors, Wolf, ça y est. Il faut attendre que le voyant rouge s'allume. Oh, je crois que nous pouvons y aller maintenant. Allongez-vous bien. Hurrah ! Venez, colons ! Malheur ! Elle retombe ! Nous n'avions pas assez de puissance. Et si c'était toi qui avais saboté le dispositif de départ, hein ? Ah, je te jure, tu vas le payer cher ! Moi, saboté ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais non ! Ah non, pas ça ! Ne tirez pas ! Wolf, si dans 10 secondes nous ne sommes pas partis, je te loge une balle dans la tête. Je compte. 1, 2... Oh ! Tintin ! Moi-même ! Remis dans votre coup de matraque, colonel Boris. Allons, les mains en l'air, tous les deux. Dites donc, vous accusiez Wolf d'avoir saboté le dispositif de départ? Eh bien, le coupable, c'est moi. Tintin! Tintin! Où êtes-vous? À l'étage au-dessus! Venez vite, capitaine! 1 000 000 000 de sabords, mais d'où est-il tombé, cet Olibrius? De la lune? Non, de la cale! Il s'était dissimulé grâce à la complicité de notre ami Wolf. Mais trouvez une corde pour les ligoter. Faites-moi confiance. Mais qui êtes-vous, monsieur? Et que faites-vous ici? Je ne répondrai à aucune question. Au nom du ciel, Wolf, que signifie tout ça? Répondez! Je suis un misérable, professeur, je suis un misérable! Tu aurais pu penser que... Tintin! Tintin, descendez! Vite, Tintin! J'arrive, j'arrive! Eh, Tintin, je crois que Milo a une patte cassée. Eh bien, mon chien, c'est le vilain monsieur qui t'a fait ça? Laissez, laissez, allez, laissez, fiston, je vais lui poser une attelle. Allez, n'aie pas peur, mon brave Milou, n'aie pas peur. Là, voilà, voilà, mon Milou, voilà. Espèce de sombre brute, tortionnaire, anthropophage. Haddock a réduit la fracture en un tournement, Milou est mis au repos forcé et nos amis retournent dans la cabine où Jorgen et Wolf sont ligotés. Leur interrogatoire commence. Wolf explique comment il a été entraîné dans le complot, passion du jeu, dettes et chantage. Bref, un tragique engrenage dont l'ingénieur n'a pas pu se sortir. Mais l'interrogatoire est terminé. Et maintenant, nous allons vous fourrer ces lascars à fond de cale. Quoi ? Nous encombrer de ces pirates qui voulaient nous abandonner sur la lune ? 1 000 sabords ! Soyons plus chevaleresques que ces gens-là, capitaine. Non, faites-les descendre à la cale et arrimez-les solidement. L'arrimage, c'est une de vos spécialités. Ouais, ouais, comme vous voudrez, mais vous le regretterez, Tintin, je vous le prédis. Quant à vous, Jorgen, je vais vous confectionner un amour de petit gilet en fil de câble qui vous tiendra chaud. Faites de moi ce qu'il vous plaira, mais cessez de m'envoyer des postillons à la figure. Hein? Comment, moi? Des postillons? Mille sabords! Vous osez? Calmez-vous, capitaine, hein? Calmez-vous. Me calmer? Non, mais vous l'avez entendu, ce coléoptère, me calmer? Ah oh, bah vous en avez de bonnes, vous en avez de bonnes, vous. Enfin bon, allez, allez, hop, allez, vous deux, cap sur la cale. Des postillons, 1 000 000 000 de tonnerres de brasse de moi. Jorgen et Wolf sont enfin à fond de cale, très vigoureusement attachés par Haddock. Le professeur Tournesol signale à la station de contrôle de Sbrodji les récents événements, puis, après avoir inspecté la fusée, il résume la situation à l'intention de ses amis présents. Au cours de son départ, heureusement manqué, la fusée a subi quelques dégâts. Il nous faudra au moins 4 jours pour réparer. Et il y aura le temps du voyage de retour. Or, il nous reste au maximum 4 jours d'oxygène. Bref, nous risquons d'arriver sur la Terre à l'état de cadavre. Oui, mais pour l'instant, nous sommes bien vivants, professeur. Nous allons donc nous mettre au travail, et immédiatement. Allô? Allô, ici fusée lunaire? Allô, station de contrôle? Donnez-nous de la musique, ça nous remontera le moral. Ici la Terre, nous vous branchons sur Radio Luxembourg immédiatement. Les travaux commencent aussitôt.
Et 3 jours plus tard, tout est réparé. Une fois de plus, c'est le compte à rebours, mais cette fois vers la Terre. Oh, ce voyage de retour ne sera pas sans surprise. Ainsi, Jürgen et Wolf parviendront à se libérer et à reprendre pendant quelques instants la situation en main. Mais au cours d'une bagarre entre les deux hommes, Jürgen, qui voulait liquider tous les passagers, est tué par une balle de son propre pistolet. Pendant ce temps, la fusée s'approche de la Terre. Allô, allô, ici la Terre, attention, dans 10 minutes, manœuvre de retournement. Bien compris. Mes amis, à vos couchettes. Rappelez-vous, le ralentissement avait durement éprouvé nos organismes. Oui, bah attends, moi j'ai encore le temps d'aller vider un vieux fond de whisky. Je me sens un petit peu oppressé. Mais qu'y a-t-il ? Wolf ! Où est Wolf ? Sa couchette est vide. Regardez, là, une lettre. Oh. Quoi ? Écoutez ça. Lorsque vous lirez ces lignes, j'aurai quitté la fusée. Moi parti, j'espère que vous aurez assez d'oxygène pour arriver jusqu'à la Terre. Pardonnez-moi le mal que je vous ai fait. Signé, Wolf. Tonnerre de Brest ! Il a fait le grand plongeon pour nous sauver. Et moi qui l'accusais. Oh là 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 là. La manœuvre de retournement a parfaitement réussi. Courage et espoir. Courage. Merci. Nous en avons bien besoin, car nous commençons à respirer difficilement. Allô, allô, oh. Fusée lunaire. Préparez-vous à enclencher le pilotage automatique. Allô. Ici Tintin. Entendu. Je vais tenter de réanimer le professeur. Viens de s'évanouir. Hélas, Tournesol ne revient pas à lui. Haddock rôde en ronflant dans les jardins de Bacchus. Quant aux Dupont, ils sont également hors service. Seul Tintin reste encore debout, mais péniblement, très péniblement. Pilotage, il faut que j'y arrive. Ça y est, presque. Allô, ici la Terre, fusée lunaire, dépêchez-vous de mettre le pilotage automatique. Je leur envoie un signal aigu pour tenter de les réanimer. Bonne idée, Walter. Moi, je file au terrain d'atterrissage. Espérons que... ...1200 kilomètres encore... 800... Mais Tintin, sorti durant quelques secondes de son évanouissement par le signal sonore, a pu enclencher le pilotage automatique. Maintenant, la fusée approche du centre de Sprodgy, freinée par le jet du moteur auxiliaire, qui, heureusement, s'est mis en marche. Enfin, l'énorme jet de feu touche le sol de la Terre en soulevant un nuage de poussière. Et la fusée se pose, mais personne ne semble bouger à l'intérieur. Pas de réponse. Apportez les scies électriques, vite ! Tous les services de sécurité, les services médicaux sont au pied de la fusée, prêts à intervenir. Enfin, nos amis sont évacués de la fusée, masques à oxygène, piqûres, etc. Et le miracle se produit. Où suis-je ? Ah, vous êtes sains et saufs sur la Terre ! Sur la Terre ? Et mes compagnons ? Le professeur et Dupont sont hors de danger. Et Milou ? Mon chien, allons voir le capitaine. Capitaine ! Capitaine, réveillez-vous ! Nous sommes arrivés ! Quoi ? Je ne rêve pas, hein ? J'ai bien entendu quelqu'un parler de whisky. Oh, mes amis, quelle aventure ! Trifon, mon vieux Trifon, dans mes bras, ma vieille branche ! Ah, bah voici les Dupont ! Du whisky ? Hein ? Allez, bah mes amis, à la bonne nôtre ! Moi aussi, capitaine, je veux trinquer avec vous. Ce sera la première fois que je goûterai de ce breuvage. Nous avons vécu la plus prodigieuse aventure de tous les temps. La trace de nos pas est inscrite sur le sol de la Lune. Mais la laisserons-nous recouvrir à jamais par la poussière des siècles ? Non ! Non ! Car un jour, nous... Quoi ? Retourner sur la Lune ? Alors moi que je sois changé en cabestan, 1000 sabords, si je remets le pied dans votre cercueil volant ! Espèce de zouave interplanétaire ! Jamais ! Mais capitaine ! Jamais, vous m'entendez ? Jamais ! Jamais ! De toute cette histoire, il n'y a qu'une chose à retenir. On est vraiment bien... que sur notre bas.